Salut à tout le monde, on se retrouve sur Minecraft tout simplement. Mais aujourd'hui on ne fera pas des systèmes de redstone. Comme vous pouvez le voir, je suis dans le Nether et la nouvelle version vient juste d'arriver, la 1.16, et ça fait super plaisir même sur Switch. Donc vient d'arriver, je sais pas depuis quand, mais là je joue Minecraft aujourd'hui et puis bim, voilà quoi, le jour de la vidéo à 11h. Donc le Nether a vraiment changé, donc on a des arbres un peu bizarres, je m'y attendais pas à ça, tu vois, mais même si je regardais, on a des charpillantes aussi. Franchement, je m'attendais pas à ce que la nouvelle version inclue un nouveau désert entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on aurait vers là-bas? Alors, je sais que tu as beaucoup de nouvelles choses, donc il y a quand même la glowstone qui est toujours là. Les blocs de quartz qui sont également toujours là. Mais on a des mondes rouges et des mondes bleus, si je m'abuse. Donc, franchement, on est quand même sur quelque chose de relativement sympa. En vrai, ça va faire du bien de changer un peu d'atmosphère et puis non, en vrai, non, ça va faire vraiment du bien. Mais maintenant, on a les pigments, enfin voilà, c'est un zombie cochon, voilà, cochon zombie, voilà, pareil. Hein. Mais c'est bien parce qu'on a des nouveaux mobs, donc franchement, en vrai, bon, ça va. Mais on a aussi des nouveaux blocs, du coup, je voulais essayer de vous trouver quand même un petit biome sympathique là déjà. Oh, ah oui, c'est vrai, on a un portail. Oh les gars, un portail. Mais ça c'est quoi? C'est la... Ouais, elle est bizarre ça, c'est l'obsidienne... L'obsidienne je ne sais quoi là. Un peu chelou. Alors c'est l'obsidienne... L'obsidienne pleureuse. Oh il y a... Oh oui, j'ai de quoi commencer en fait. Avec deux blocs d'or ici. Ouais, ça doit être pour les pigments ça. Mais bon, en vrai, voilà, bon, on est quand même... Ah oui, il y a ce bloc-là aussi qui est nouveau, la roche noire, ou je sais plus comment elle s'appelle. Ça, c'est... Bah, le gravier, ça a pas trop changé. On a... Finalement, cette nouvelle version est quand même pas mal, parce qu'elle nous rajoute quand même quelques blocs qui sont assez sympathiques. Aussi, le Nether change d'ambiance quand on passe... En fait, c'est comme si c'était plusieurs... plusieurs mondes, en fait, en un. What? C'est quoi ce mob? Les gars? What? On dirait un gollum! On dirait un gollum sur pattes! C'est quoi ce délire? Je sais pas, je me suis pas renseigné sur ces mobs là. Ah, intéressant tout ça. Ouais, franchement, c'est. Waouh! Ça change quand même. C'est vrai que. Il y a des petites particules là. Non, en vrai, ça fait plaisir, tu vois. Ça change, tu vois, de l'ancien Nether un peu. Bah, tout rouge quoi. T'avais pas forcément envie d'y aller tout le temps. Putain, là, j'ai trouvé un grand lac là. T'avais pas forcément envie d'y aller tout le temps. Mais là, on est quand même sur quelque chose de. Voilà, l'atmosphère est devenue un peu bleutée. C'est. Ah ouais, il y a les flammes bleues maintenant, c'est vrai. Oh, elles sont trop stylées. En vrai. Oh, mais mec, elles sont trop stylées. Oh, mais mec, j'adore ces flammes. Et quand tu vas dedans... Ah, dommage, ça aurait été stylé en... Oh. Ouais, ça aurait été stylé en bleu. Oh, mais mec. Donc, du coup, on va parler des nouveaux blocs. Donc, on a la tige carmin. Je vais vous la... on va tout vider. Tige carmin. On a la tige altérée. Du coup, on a la tige carmin dépouillée. Idem pour la tige altérée. On a les... If carmin, ouais, les if altérés, ok. If carmin dénudé, if dénudé. Et ni silium, ni lium carmin. Les champignons aussi qui sont nouveaux. Donc on a ce petit bloc là, donc ah ouais, d'accord, ok. Ce bloc là, ok. Donc en gros, il y aurait. Ah ok, c'est quand tu passes. Ok, je vois. Ah, en vrai, c'est sympa, sympa. Et qu'est-ce qui change entre ça et ça? C'est exactement les mêmes blocs. Hein. If et tige, pour moi, c'est pareil. Hein. Regardez, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Ah, ok, si, je sais ce qui change en fait. C'est bon. Je sais ce qui change en fait, c'est des blocs complets. Là. Ok, donc on a ça aussi dénudé à chaque fois. Ok, bon, en fait, ça peut être sympa. Et on a les fameux champilampes là. Franchement, je les aime bien les champilampes. Ils ont une couleur assez sympa finalement.
Donc on n'a pas que ces blocs-là. Bien sûr, on a aussi du coup un peu comme les sols. On a du basalte, on a du basalte poli qu'on a vu tout à l'heure. Ah, la terre des âmes, c'est plus le sable des âmes, c'est la terre des âmes. D'accord, ok, ça c'est nouveau aussi. Ce qu'on avait, ah ok, ah la terre des âmes, d'accord, la terre des âmes c'est ça. Le basalte poli, oui, le basalte, ok, basalte, pardon. Le nilium, ok, altéré, et le nilium carmin, ok, c'est stylé tout ça. Du coup, on a, comme on a vu, l'obsidienne pleureuse, du coup, il n'y a pas si longtemps que ça. Bloc de coraux, ça y avait déjà. Alors, du coup, on a les lampes torches bleues, on a ça aussi. Alors, ça, j'ai pas vu, mais c'est l'encre de réapparition. Donc, je pense que si tu le poses, tu réapparais à cet endroit-là. Je suis pas sûr, mais si tu meurs, en tout cas. Une cible. Ah, on a ça aussi, les chaînes. Les cibles, on avait ça avant ou pas? Attends, je vais voir. Parce que... Donc, du coup, on a ces nouvelles lampes. Du coup, maintenant, les lampes, on peut les accrocher avec sur une chaîne aussi. Et une chaîne, ça va être pratique pour faire des barreaux. Oh. Et les feux de camp. Oh, ils sont badass quand même. Les feux de camp bleus, là. Je les aime bien. Par contre, la cible. Pour ceux qui savent, est-ce que la cible était déjà là dans l'ancienne version? Pour moi, non. Mais ça fait quoi quand on tire dessus? Je vais prendre tout bonnement une arbalète avec des flèches, on s'en fout. Oh ouais, d'accord. Je sais pas du tout tirer à l'arbalète. Je vais pas vous mentir, l'arbalète, j'ai jamais joué avec. D'accord, ouais, en fait, ça sert juste à t'entraîner. D'accord, ok. Ok, bien sympa. Donc du coup, ah mais oui, on a des nouveaux blocs. Et oui, on a les casques en netherite. Et oui, et toute l'armure en netherite. Donc c'est les blocs de... les anciens débris. Alors c'est au bloc de briques du nether. Ouais, maintenant il y a des nouveaux blocs, mais... Il y a des nouveaux blocs de bois aussi, du coup, maintenant, parce qu'on peut faire du bois rouge et du bois bleu. Idem pour les barrières. Les portillons, sûrement aussi, voilà. Les escaliers, idem, ils sont juste là. On peut les faire en pierre noire. Un escalier pierre noire poli et en taillé. Pierre noire taillée, on peut faire des portes aussi de ces couleurs-là. Et sûrement des trappes de cette couleur-là. Donc, franchement, ces nouvelles versions incluent beaucoup de nouveaux blocs et de nouvelles possibilités qui sont. Oh, magnétite. Or, ça, il n'y avait pas ça avant. Ah non, ça il n'y avait pas avant. Alors, il me manque un bloc que j'aimerais bien savoir. Je sais plus. Si, c'est ça. Voilà. Fragment de netherite. Il voudrait avoir le bloc de l'ancien débris. Donc ça doit être là. Et ce serait. Alors, où il serait? Ah ah. Verrue du nether. Verrue du Nether. Oh là 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 là, mais ils ont remis des nouvelles couleurs de verrue. Et je crois qu'en fait, on l'a pas. Hein. Pardon. Ah, attends. Peut-être qu'on l'a. Je vais marquer ancien. C'est quoi l'œuf? Ah non, on n'a pas. Hein. Donc les blocs d'anciens débris, voilà, vous savez qu'il y en a. Dans tous les cas, il y en a. Mais franchement, ça fait super plaisir cette nouvelle version du Nether. Parce que du coup, bah voilà, on a des beaux paysages maintenant. Mais en vrai, ça fait super plaisir qu'ils aient fait une nouvelle. Tiens, on a les magma cubes. Ils sont trop drôles. J'aime bien leur bouillie. Et bleu. Ah ouais tiens, on a des blocs d'os. On avait déjà mais on n'avait pas les os comme ça. Ok, mais franchement, ça va quoi. On est vraiment. C'est vraiment c'est cousi cousi maintenant le Nether. Oh là là, ça fait. Oh, ça fait tellement du bien.
que ce soit cousy cousy. Et bon bah les gars, je pense qu'on se dit à la semaine pro pour Minecraft du coup, et sinon mercredi pour un nouvel épisode de ma ferme américaine. Voilà, donc c'était un petit épisode rapide sur le Nether. Franchement, je savais pas trop quoi faire, enfin si en vrai je le savais. Mais s'il y avait pas eu cette nouvelle mise à jour là à ce moment-là, je serais sûrement pas là en train je serais sûrement en train de vous aurez le système normalement. Voilà, on va pas se compliquer la vie. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas déjà fait, un petit pouce bleu, ça ferait plaisir, à commenter, à partager, bref, tout ce que vous voulez. C'était Benji Le Sale. Ciao tout le monde.